Pascale Curti, vous êtes la directrice du service des sports de l'université. Quel argument avanceriez-vous aux étudiants pour les encourager à pratiquer le sport ? Je vous répondrai que le premier argument, assez important à ça, c'est que les étudiants qui pratiquent du sport réussissent mieux leurs études. Des statistiques ont été faites sur les 10 dernières années. Et tout étudiant inscrit au sport, qu'il ait ou qu'il n'ait pas ses points sport, réussit mieux ses études. Deuxième argument, la pratique du sport permet aux étudiants de rencontrer des étudiants d'autres années, de s'intégrer dans l'université, de se renseigner sur ses études et de faire partie d'une équipe. Ça permet également à l'étudiant de se décontracter, de se relâcher. Les études sont très difficiles, l'année universitaire est très resserrée, il y a un énorme stress. Faire un break d'une heure trente par semaine permet à l'étudiant de mieux repartir dans ses révisions, dans la préparation de ses TD. Souvent, les étudiants nous disent que c'est dans les associations, que ce soit l'association sportive ou dans les cours de sport ou les autres associations d'étudiantes, qu'ils se sont formés un cercle d'amis de Paris 2 ou d'autres universités, puisque les activités physiques se pratiquent avec d'autres universités, Paris 1, Paris 3, Paris 4, Paris 5, Paris 6, Paris 7, et cela me semble important. Pour les étudiants qui sont dans l'association sportive, c'est-à-dire qui font des compétitions le jeudi après-midi, ceux-là trouvent vraiment des valeurs d'entraide, d'effort, de dépassement de soi, d'engagement dans l'association, de participation aux événements que monte l'association sportive. Et pour eux, ça leur permet également de mener leurs études à bien. Est-ce que les étudiants de l'université sont sportifs ? Plus sportifs peut-être que dans les autres universités, et quelles sont les activités que vous leur proposez ? Les étudiants d'Assas sont très sportifs. Nous avons plus de 20% d'étudiants inscrits au service des sports, ce qui est très, très au-dessus de la moyenne parisienne qui est à peine de 10%. 10% y compris les chiffres de Paris 2, c'est dire si nous sommes vraiment au-dessus. Les étudiants peuvent s'inscrire à 64 activités. Nous avons 244 créneaux horaires à leur proposer, du lundi 8h du matin au vendredi 22h. Les étudiants peuvent pratiquer tous les sports, c'est-à-dire les arts martiaux avec de l'aïkido, du judo, du karaté, du taekwondo, de la danse, aussi bien danse classique, danse moderne, rock, salsa, tous les sports collectifs, basket, volleyball, handball, rugby, football, natation, water polo, escrime, des activités de fitness, donc fitness, gym tonique, low impact, step, de la musculation, soit pour l'entretien, soit pour se préparer aux compétitions sportives. S'ils sont plus courageux, ils peuvent prendre 3 heures pour faire du VTT, de l'aviron, de la voile. Nous avons également du parachutisme, du golf, de l'équitation. Donc il y a une panoplie, je dirais, extrêmement large.